Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle box du coup de Gloria. Là, j'ai reçu cette box de épopée écossaise. Donc, il se présente comme ceci. Là, cette fois-ci, ils m'ont pas mis en fait la petite présentation de tous les produits. Bon, c'est pas très grave, mais bon, après, c'est pas gênant. Donc là, nous avons un petit pinceau de Gloria. Ici, c'est écrit tout en anglais, j'ai pu comprendre. C'est une crème en fait pour le visage de 50 ml qui contient de l'huile d'olive et des produits exotiques et des fruits exotiques, pardon. Donc de 99% d'origine naturelle. Voilà. Ici, nous avons un petit masque pour le visage à l'argile rose. Il est tout rose, donc ça fait qu'il est à l'argile rose. J'ai pas encore ouvert, j'ai pas encore testé. Mais le format, je trouve qu'il est assez grand pour un masque. Parce que de toute façon, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, ça s'étale assez bien. Donc la quantité, c'est 60 ml. Après, ici, nous avons une palette de Steve Laurent, de fard à paupières en fait. Voilà. Je vais vous montrer les couleurs. Donc là, ça fait en fait un petit miroir. Et là, vous avez toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Du rose, du marron, que je trouve assez sympa. Donc il y a 9 couleurs. Mais bon, il n'y a pas de pinceau, mais le pinceau il est là. Parce que d'habitude, on a le pinceau avec. Mais du coup, voilà pourquoi il y avait ce pinceau-là inclus. Donc, voilà pour la palette. Et en dernier, nous avons ce petit produit de Garancia. Donc, larme de fantôme. Donc, c'est un contour des yeux et des paupières aussi. Alors, c'est marqué anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement. Hydratant. Donc là, c'est vraiment mon produit préféré dans toute cette box. C'est ce produit-là. Donc voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!